Là, ça, dans une semaine, on y sera, Oui. déjà. Mais quel bonheur d'avoir ce Saint-Cordon paisible cette année, quand même, par rapport aux 6 années qu'on vient de passer. 6 années de galère, t'as les cheveux blancs, là. Il y a eu beaucoup de tracas, hein, au cours de ces dernières années, voilà. Comment tu sens, toi, ce Saint-Cordon-là qui approche? Bah moi je suis content parce que c'est la première fois depuis que je suis à Valenciennes comme prêtre que je le vis dans sa forme habituelle, dans sa forme originale et traditionnelle. Donc je suis content de voir ça. Ça m'enthousiasme. Voilà. On verra. Donc là, tout le monde est en ébullition. Le clocher de Saint-Géry vient d'être décoré. La Décoré, oui. place, les rues, les premières rues. J'ai vu aussi ce matin au marché, là, le kiosque du musée. Là, ils installaient aussi les fanions. Parce que c'est là qu'aura lieu la messe, le Oui. départ. Donc on est trop content de retrouver le lieu de la messe derrière le musée. La procession en ville, retrouver les vieilles rues, enfin les passages qu'on n'avait pas fait depuis 6 ans, 7 ans maintenant. Le dernier Saint-Cordon normal, c'était 2015. C'est ça. Hein, donc effectivement, ça fait 7 ans, 7 ans de galère vraiment, et on peut rendre grâce à la Vierge Marie derrière nous, là, qui va visiter son peuple pour la 1014e fois, et donc de vivre cette fête de dimanche prochain de manière magnifique, quoi. Alors toi, tu as un regard un peu du côté des jeunes, là, il y a... Oui, bah la veille, comme on le fait d'habitude, on les attend au lycée à 17h30, au lycée Notre-Dame, à côté de la place du musée où il y aura la messe le lendemain. Et puis pour des ateliers autour de la paix, hein, autour du thème de la paix, on s'est dit que c'était bien pour cette année, pour cette rentrée, de parler de paix, de la paix dans nos cœurs, de la paix qui vient de la prière. Et puis on se retrouvera ensuite pour un pique-nique ici devant Saint-Géry à 19h. Et ensuite, un temps de prière autour de la Vierge, autour de la statue, avant qu'elle quitte l'église pour rejoindre le lieu de la messe. Et nous, on restera ici pour un spectacle, Prénom Marlène, ça s'appelle. De quoi il s'agit en fait? Et c'est le récit d'une conversion, le Ah. récit bouleversant d'une conversion, voilà, qui va être donné ici dans Saint-Géry. Puis il y a une partie des jeunes qui dormiront à Valenciennes pour qu'on soit d'attaque dès le lendemain. Voilà, les scouts sont mobilisés pour aider à la messe, pour voilà. Et donc, cette année, tu vas avoir un rôle particulier là, pendant la semaine de prière qui va Oui, suivre le oui. grand tour, là, puisque j'ai souhaité il y a un an déjà t'appeler pour être le prédicateur de la neuvaine. Je me disais, souvent on va chercher des prédicateurs qui viennent de loin, et là on a des talents chez nous, hein, qui savent à la fois réfléchir et parler. Et donc je t'ai demandé de prêcher la neuvaine. Alors ça consiste en sept soirs, Sept sept topos. interventions, voilà. Sept interventions. Le thème, c'est « Et nous, nous courons pour une couronne qui ne se flétrit pas Waouh! ». Et pourquoi le thème de la couronne? Alors, parce que c'est les 125 ans du couronnement de la statue qu'on fête cette année, que le sanctuaire a beaucoup travaillé sur ce thème de la couronne. Il va y avoir dans le chœur ici tout un cheminement autour du couronnement, des joyaux. Donc j'ai suivi ce thème de la couronne. Et en même temps, bah, comme on le disait, moi je découvre le fait de faire un pèlerinage en marchant, en tournant. Donc je me suis dit que je voulais aussi aborder les aspects du pèlerinage. Ça veut dire quoi de marcher? Ça veut dire quoi de faire un tour? Pourquoi on fait mémoire de ce miracle? Comment on fait ça? Donc tout ça, ça s'ordonnance dans ce thème de « Nous courons pour une couronne qui ne se flétrit pas ». En tout cas, merci d'avoir accepté, Avec hein, bonheur. de nous entretenir. Alors, ce sera diffusé, bien sûr, sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, machin. Voilà, donc moi, je n'ai pas trop l'expérience, mais enfin, je sais que c'est très, très, très fréquenté, évidemment, sur nos réseaux, là, pendant les fêtes de Notre-Dame. Voilà, il y a une autre aussi, quelque chose que je trouve très sympa aussi pour la semaine prochaine, le jour du tour, donc, hein, en inauguration de la neuvaine, c'est la présence de l'évêque de Gap, qui s'appelle Xavier Mal. Et qui se fait qu'il est né à Valenciennes. Ah oui. Hein, il est né à Valenciennes en août, je ne sais plus très bien l'année. J'ai peur de dire des bêtises, mais en tout cas, il n'est jamais revenu à Valenciennes, sa ville natale, depuis sa naissance. Hein, donc du coup, il pourra découvrir sa ville à l'occasion justement de la journée la plus importante, spirituellement parlant, de la cité. Et puis, en tout cas, moi, je m'en réjouis profondément, hein, de la venue de Xavier chez nous. En tout cas, je crois que ce sera un très très beau Saint-Cordon, et c'est vrai que je le vis de manière très paisible et très heureuse, hein, pour que tous ceux qui rejoindront la fête de Notre-Dame soient aussi remplis de joie. Tant mieux, tant mieux. Je m'en réjouis.